C'est moi ? Oh, excusez-moi. Elle est née dans un train, puisque je rencontrais Jean-Marc Ayrault. Le train, c'était Nantes-Paris. À cette époque, on mettait 3 heures. Et Jean-Marc me demandait si j'avais des idées pour la ville de Nantes. Et j'ai proposé cette idée folle. Et bien sûr, immédiatement, il m'a dit « on y va ». La folle journée, c'est une incroyable aventure nantaise qu'on doit d'abord à la rencontre de deux hommes, le talent de René Martin et la volonté politique de Jean-Marc Ayrault. Cette idée, à l'origine, un peu folle, très audacieuse en tout cas, de proposer un festival de musique classique de très grande qualité et accessible au plus grand nombre. Je me rappelle de cette très belle édition sur Chopin que tu nous avais proposée, l'univers de Chopin. Oui. Je crois que c'était en 2010. 2010. Oui, c'est ça. Voilà, et comme c'est mon compositeur de musique classique préféré, forcément, j'avoue avoir été très sensible à cette édition. Et puis un plus récent, un concert que j'ai partagé avec ma fille de Renaud Capuçon. Et comme elle faisait à ce moment-là du violon, forcément, là aussi, ça avait un goût particulier. Et si je le raconte, c'est parce que je crois que la folle journée, c'est à la fois un très grand moment collectif, un vrai moment de découverte, et puis aussi des moments personnels, intimes, familiaux. Et c'est la force de la culture, pouvoir à la fois offrir des temps de rassemblement totalement incroyables et des émotions très intimes. C'est ça que tu arrives à nous proposer dans tes programmations. C'est pendant la folle journée Bach. Quand on parle de Bach, on parle d'orgue. Et avant de faire la programmation, j'apprends que l'un des plus grands facteurs d'orgue au monde, qui s'appelait Aubertin, qui était français, construisait un magnifique orgue qui devait être construit au Japon. Je suis allé le voir et je l'ai décidé à venir installer l'orgue avant de le livrer au Japon dans la Cité des Congrès. Alors, l'installation, c'est fou parce qu'un orgue, pièce par pièce, c'est comme un puzzle, on le met à terre et on construit. Pendant 10 jours, on a construit cet orgue et là, la Cité des Congrès prenait un autre relief puisque vous aviez un orgue absolument magnifique, un orgue baroque. Il a été démonté le lendemain, il est parti par la Loire, par Saint-Nazaire, il a été livré au Japon. 30 ans, ce sont plus de 3 millions de personnes qui ont découvert la folle journée. Ce sont 42 000 artistes, 6 000 concerts. Au tout début de l'aventure, c'était 2 jours qui nous étaient proposés. Aujourd'hui, ça s'est très largement étoffé. 30 ans, c'est aussi l'ouverture à l'international, très importante pour Nantes, pour son rayonnement, pour l'ouverture aussi d'esprit et de culture qui est la nôtre, de Bilbao à Tokyo. Et puis, au-delà du bilan quantitatif, parce qu'évidemment, la folle journée ne se résume surtout pas à des chiffres, c'est vraiment devenu un élément qui rythme la vie des Nantaises et des Nantais. Chuchote dans la ville, la folle journée va commencer, j'ai des amis qui viennent, il y a des visiteurs qui arrivent. Ces grands rendez-vous culturels qui marquent le cœur de Nantes avec cette accessibilité au plus grand nombre, aux familles. Et puis pour cette année, pour la première fois, cet espace dédié aux enfants, c'est aussi la capacité à se réinventer en permanence tout en étant fidèle aux fondamentaux du début. Quand j'ai proposé ce thème à Jean-Marc Ayrault et à la Cité des Congrès, j'étais loin d'imaginer, bien sûr, que 30 ans plus tard, on aurait battu tous les scores de fréquentation d'un grand festival européen. Il y a une histoire qui me touche beaucoup, c'est l'exportation de la folle journée. En 2000, elle arrive à Lisbonne. En 2005, elle arrive à Bilbao et elle arrive à Tokyo. Et quand on regarde bien, ce sont que des villes tournées vers la mer. Et ça veut dire qu'il y a un esprit. Il y a un esprit qui correspond bien à l'esprit de Nantes. Et ça fait partie pour moi de l'histoire de la folle journée. Tout d'abord, je souhaite former les équipes qui prendront la relève, évidemment, mais qui respecteront l'esprit de la folle journée, le concept de la folle journée, qui est, comme Johanna le soulignait, une notion de partage. Partager la beauté, partager les émotions, et c'est la folle journée. On a le privilège d'avoir 1400 artistes à la cité, et bien que de plus en plus ces artistes aillent dans la ville, auprès des associations, auprès des gens qui malheureusement ne peuvent pas venir à la folle journée. Et ça, c'est un défi
après Covid, qui pour moi est extrêmement important, parce que les artistes ont beaucoup, beaucoup de, comment dirais-je, de talent et beaucoup d'émotions à partager avec les gens qui ne viennent pas encore à la Folie Journée. D'abord, c'est continuer à assumer des choix. Et parmi ces choix, il y en a un qui me tient très à cœur. Et je sais que René, là, on partage, c'est comment on transige jamais sur la qualité, comment on transige jamais sur l'excellence, tout en ouvrant toujours davantage. Le fait d'avoir plus de 10 000 scolaires, plus de 10 000 tarifs solidaires, le fait d'ouvrir aux enfants dans les maisons de quartier, aux hôpitaux, aux unités de soins palliatifs, à des personnes migrantes, ça aussi, ça dit la couleur qu'on veut donner. Dire qu'à Nantes, on ne choisit pas entre l'ambition, au sens le plus beau, le plus culturel du terme, et le partage avec le plus grand nombre. Et ça, ça s'invente en permanence, c'est jamais un acquis. La grande démocratisation culturelle, elle ne se décrète pas. Ce n'est pas en claquant dans les doigts. Tout ce qui a été fait dans le festival a aussi été pensé comme ça. Et demain, il y a encore plein de choses à inventer. Et puis la dernière, c'est tout simplement continuer à prendre autant de plaisir. Parce que dans des quotidiens qui sont parfois aussi un peu moroses, hein, pour un certain nombre de ménages, bien, la respiration que constitue la Folle Journée, c'est quand même un événement assez unique à savourer. Donc tout simplement de continuer à savourer.